à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous accueillir pour quelque chose d'inhabituel sur la chaîne, vraiment un projet atypique, et je suis très heureux d'être accueilli par Thierry, le propriétaire du domaine, qui nous reçoit gentiment pour nous faire la présentation un peu de ce beau projet. Voilà, accompagné de Guillaume aussi, qui est partie prenante dans ce projet, qui va s'occuper aussi de tout le fonctionnement de ce concept, et bien sûr Vincent, qui fait partie de l'équipe Projet Locatif, voilà, et qui accompagne aussi tous ceux qui souhaitent être accompagnés dans ce projet et voilà, investir, puisqu'on parle d'investissement sur la chaîne. Donc un investissement un peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de montrer, mais très intéressant sur plusieurs aspects. Donc comme d'habitude, on va faire le tour, on va tout vous détailler. On est dans un endroit magnifique. Bon, il y a encore des petits engins de chantier qu'on entend encore, mais sinon c'est le calme absolu. Où c'est qu'on est, Vincent? Est-ce que tu peux présenter globalement un petit peu la situation géographique et le projet? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors tout à fait, alors on est sur Serrières-sur-Ain. Donc Serrières-sur-Ain, on est à environ 30 minutes de Bourg-en-Bresse, donc un des secteurs que je travaille pas mal. Et donc on est sur un flanc de colline à l'autre bout du monde, comme Thierry l'a nommé. Donc avec comme voisin les chamois, la rivière d'Ain juste en dessous, donc un cadre exceptionnel, en pleine nature. Et donc voilà, avec des propositions donc de terrain et de chalets qui seront à construire. Et donc après, bah voilà, comme on a pu... Une heure de Lyon, une heure de Genève. Exactement. C'est important, Vincent, que tu le dises. Tout à fait. Puisque nos clients viendront certainement de là. Enfin, on en a beaucoup. Et on a également des clients de Savoie. Thierry Magnot, donc je suis le porteur du projet. Mais par contre, je suis en pleine transmission. Hein. Ma relève, c'est Guillaume. Hein, qui au départ est venu me voir pour en acheter un ou deux. À la finale, il en a acheté sept. Et puis, il va gérer la conciergerie. C'est ce qui fait la différence et ce qui va vous permettre à vous de dormir tranquille, de ne pas venir faire le ménage dans vos hébergements, puisqu'on va pouvoir externaliser. Hein. Et le secret, il est là. Exactement, on ne veut pas être finalement tributaire de ces investissements. Et c'est exactement nous ce qu'on promouvoit un peu sur la chaîne, c'est aussi l'automatisation, la passivité. Et puis là, c'est un projet qui est quand même hyper intéressant aussi du point de vue personnel, pour se faire plaisir, profiter des lieux, venir passer du bon temps et en même temps avoir un investissement rentable. C'est ça. Voilà, en immobilier, on a ce qu'on appelle l'effet de levier. Si vous avez 10 000 euros que vous les mettez à la caisse d'épargne, ça rapporte 4,2 et encore, prélèvement obligatoire, là, là, là. Si vous venez voir Thierry, on va faire un projet de 100 000. Ou si vous venez voir Vincent, c'est-à-dire x 10. Et moi, dans mes projets, ça rapporte entre 6,4 et 8,4 dans l'immobilier classique. Mais là, ça rapporte plutôt 14 points. D'accord. Et puis, il y a le pire, c'est l'effet marteau. C'est-à-dire que si vous achetez un château en Haute-Saône, dans la Haute-Patinte, ça vaut peut-être pas grand-chose. Mais des fois, vous louez pas. Alors là, tous les mois, faut payer la banque et ça s'appelle l'effet marteau. La grande valeur de cet endroit, c'est qu'on ne peut pas ne pas louer. Hein. Donc, il y a forcément une corrélation entre la valeur locative des choses et la valeur d'achat. Hein. Et c'est ça dont on va vous parler. Et l'autre spécificité de ce projet, c'est de l'immobilier et du tourisme, puisque vous n'êtes absolument pas obligé de déléguer la mission à Guillaume de gérer votre bien quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez venir tous les week-ends ici si vous voulez. Mais c'est à la carte. Il y aura, on pense, très peu de personnes qui l'utiliseront que pour eux. Hein. On pense à des retraités de Lyon, par exemple. Mais ça, ce sera 5-10% de nos clients. Et 90% des clients vont confier la mission complète à Guillaume de gérer à leur place. Je te repasse la main. Donc Guillaume Parsu, donc moi je suis le responsable de la conciergerie, donc qui aura la charge de la gestion complète de vos logements. Donc que ça aille de la partie relation clientèle, accueil des clients, à la partie communication, gestion de la blanchisserie et gestion des extérieurs. Voilà. D'accord, donc voilà. Délégation complète qui est possible. Et justement, ce qui est intéressant avec ce projet, contrairement à ce qu'il peut y avoir dans des campings ou dans des lieux de vacances, de loisirs, c'est le bon côté des deux mondes, puisqu'on est propriétaire entièrement des parcelles, tout est indépendant. Comme donc, dans un lotissement. Voilà. Thierry va nous expliquer toute la partie, on va dire, administrative, lourdeur, permis de construire, tout a été traité en amont. Donc là, on vend en fait des projets vraiment clés en main, assez simples.
même il y a des relations éventuellement bancaires qui peuvent être mises en place pour aider aussi au financement du projet. Donc c'est voilà, la simplicité du projet et en même temps la rentabilité sans avoir les inconvénients justement des campings où on doit payer finalement des locations de terrain. Entre 3 000 et 4 000 euros chaque année. Voilà. Donc même si le produit au départ est à 90 000 alors qu'ici on sera peut-être au double, hein, mais quelque part, déjà pourquoi les banques ne financent que sur 6 ans, hein, c'est bien parce que HLL Habitation Légère de Loisirs, nous, dans notre cas à nous, pour avoir le permis, on a dit que c'était Habitation Légère de Loisirs, hein, difficile à déménager quand même. Hein. Ouais. Donc, et nous, on obtient des financements sur 15 ans. Ce n'est pas du pipeau. J'ai des clients qui ont déjà eu des prêts sur 15 ans. Ça veut bien dire. Alors, on surfe quand ça m'arrange. Je dis que c'est du dur, hein, super dur. Hein. La règle, c'est que pour construire HLL Habitation Légère de Loisirs, on n'a pas le droit de vraie fondation. Hein. Ouais. Au pire, on a le droit à une longrine, un appui. D'accord. Une cabane comme ça pèse 3 tonnes, 3000 kilos. D'accord. Et ensuite, on a des pilotis. Et dans les structures de ce qu'on propose, ça repose sur 16 pilotis. On a préconisé deux constructeurs, c'est-à-dire qu'il faut toujours laisser le choix au client, hein, mais dans le permis d'aménager que nous avons obtenu, il y a ce qu'on appelle l'unicité, il faut que ça ressemble. Et maintenant qu'on est loi montagne, donc il n'y aura plus jamais le droit qu'il y ait d'autres hébergements, c'est ça également qui fait la valeur du bien. Bien sûr, c'est exceptionnel d'ailleurs. Messieurs, dames, bonjour. Alors, bonjour, vous avez kiffé? Alors je vais vous dire, vous pensez à un superlatif, c'est à la moitié de ce que vous devez écrire. Et moi je ne vous demande pas d'écrire un truc que vous ne pensez pas. Vous allez sur tous les réseaux et vous dites on a kiffé grave et on en parle. J'aime bien. Et je ne vous ai pas donné de billets, on est d'accord. Comme d'habitude. Merci. On va 2 minutes sur le terrasse. On vous squatte la terrasse là. Merci. 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 Oui, pour donner quand même rapidement, on va aller faire la visite et puis on va rentrer un peu plus en détail dans le projet. Donc on est sur un domaine de 17 emplacements, c'est ça, disponible. Il y a un nombre de chalets qui est construit. 10 au départ, dans un premier permis d'aménager qu'on a là maintenant, on peut en faire 13 et dans le temps on pourra en faire 4 de plus. C'est-à-dire qu'à la fin il y en aura 27, pas un de plus. D'accord. C'est mon engagement et je signe chez le notaire tout ça. Hein. Tout à fait. Okay. Donc ça c'est acté, on a toutes les autorisations justement pour pouvoir construire un nombre de chalets. Les 10 plus 13 c'est plié. Voilà. Et là, deux construits actuellement, combien il y a de chalets construits? Parce qu'il y a une partie en fait déjà de vendus, donc entre autres par Vincent et d'autres personnes qui ont eu vent aussi du projet, donc ça va assez vite. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo aussi bien rapidement. Sûr. Alors sur la première tranche, le permis qui date de 2012, on avait le droit à 10 unités. D'accord. On en a 8 et 2 qui sont en cours de construction. Oui. Voilà, donc ces 10 là c'est plié. Et sur les 13 à venir, grâce à Vincent, on a 5 réservés. Alors sur les 5 réservés, espérons évidemment qu'ils obtiendront leur financement et on est là pour les accompagner. Exactement. Voilà. Donc, il reste combien d'emplacements disponibles? Eh bien, 13 moins 5, 8. Voilà. 8. C'est mon compte bien. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais au-delà de ça, ensuite, il y en aura encore 4. Hein. D'accord, voilà, très bien. Potentiellement 12. Donc bien. Là, on montrera les emplacements, puisque là, c'est des projets à construire. Et l'avantage, c'est que chacun va pouvoir faire son propre chalet à son envie, à sa demande, avec ses options. Voilà, il y en a qui vont préférer. Alors, en respectant le côté nature, loi montagne, on ne peut pas mettre des volets roses, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Donc, il faut. Et c'est pour ça qu'on va quand même fliquer, entre guillemets. Bien sûr. Nous, il s'agit d'être cohérent. Hein. Il faut faire un ensemble cohérent. Il y a une synergie là-dedans. Hein. Il faut garder l'aspect nature, l'aspect calme que bien nous. Sûr. Bien sûr. Oui, exactement. Et ce qui va vraiment faire plaisir à nos clients, c'est que Guillaume habite à 10 km seulement. Hein. Mm-hmm. Moi, j'habite à 1h30. Forcément, dans mon modèle économique d'avant, on n'avait pas du tout les mêmes résultats. Hein. Ouais. Et également, on va ouvrir toute l'année parce qu'il y a des dates très symboliques. Le 1er janvier, on a déjà des demandes. Le 14 février, Saint-Valentin, on a des demandes. Hein. Bien sûr. Non, mais alors là, j'ai aucun doute par rapport à ça, pardon. Mais on a vendu une cabane justement sur la chaîne. J'ai fait une vidéo. On a reçu beaucoup de demandes. Bon, malheureusement, il n'y en avait qu'une. Donc là, c'est l'occasion, il y en avait plus. Et cette personne-là exploitait depuis 10 ans et
toute l'année, mais vraiment toute l'année sur 365 jours. Donc bon, c'est en Corrèze, mais dans un petit village. Mais j'espère que tu as gardé les adresses mail des clients. On va en faire une recherche par rapport à ça. Mais elle louait 340 jours dans l'année. C'est assez incroyable. Alors là, Guillaume va nous parler des chiffres de l'intourisme. Vas-y. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire. En fait, en termes de territoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en plein développement. Donc, il y a vraiment une volonté politique de développer la vallée de l'Ain. D'accord. Et donc, on a pu participer à l'AG, à l'Assemblée Générale de l'Ain Tourisme. Oui. Et donc, il y a des hébergements de notre type qui sont à 90% de taux d'occupation sur l'année. D'accord. Voilà. Nous, actuellement, on est à 50% sur 6 mois. Et notre objectif, c'est vraiment d'atteindre les 70% sur toute l'année. Voilà, ce qui est un objectif raisonnable. En termes de valeur locative, on pourrait estimer par logement 36 000 euros à l'année. D'accord. Nous, on s'est fixé 2 000 euros par logement. Voilà, de chiffre d'affaires. Donc, c'est notre unité de mesure. C'est ça qui vous amène à 14%. Sachant que vous êtes sur des prix qui sont raisonnables, parce que, par exemple, la cabane que j'ai vendue, on est sur vraiment des fourchettes hautes, malgré le taux d'occupation assez élevé. On est entre 250 et 350 euros la nuit. Bon, après, ça dépend des prestations, mais vous êtes plutôt sur une fourchette large. Finalement, au niveau du public, ça va concerner tout le monde. Basse saison, on est à 90 euros la nuit, et ça varie jusqu'à 180 euros la nuit. En 180 euros la nuit. Voilà, c'est tout à fait correct. Alors là, on est justement dans l'idée de repenser les tarifications, puisque maintenant on ouvre toute l'année. Forcément, une nuit au mois de juin, c'est pas le même prix qu'une nuit début décembre, etc. Donc là, ils bossent là-dessus. Les améliorations qu'on a apportées également, c'est sur le site, il est responsive. Les gens, 80% des gens réservent avec leur smartphone. Et avant, on n'était pas assez fluide. Il fallait 15 secondes pour qu'une image apparaisse. Alors bon, du coup, il a amélioré toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un tel projet, je veux dire. Je ne voudrais pas vous influencer. La plus-value de la conciergerie, donc ça va être vraiment aussi en termes de communication. Pour votre bien, voilà, moi je m'occuperai de la communication, à la fois sur les réseaux et à la fois vous allez bénéficier de la puissance de notre site internet. Voilà, actuellement. Justement, on a regardé un petit peu avant la vidéo, on a dit beaucoup de choses. J'ai dit, attendez, on en garde encore pour la vidéo parce qu'on va tout dire avant. Mais le taux d'occupation de réservation qui est assez élevé grâce au site internet, au référencement que tu as réussi à bien optimiser, parce qu'on est à 74% de réservation en direct. Exactement. Voilà, justement de prendre la marge de Booking, OTA, que ce soit Booking, Airbnb, on est commercialisé également par Expedia, par loisirs.sh pour les Suisses et Abracadabrum. Ces gens-là, en moyenne, ils prennent 17%. Et quand vous lancez un projet, souvent 60% de votre chiffre arrive par ces réseaux. On ne peut pas ne pas y être. Ça donne de la visibilité. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la synergie, nous, on n'a pas une grande salle de réunion, mais une autre cible de Guillaume, c'est les séminaires. Et il se trouve que Gilles Porret, le propriétaire du château de La Cueille, en deux mots, L.A. Cueille plus loin, bien on est à 2,4 km. Il a fait une salle de séminaire, on vous montrera tout ça, et puis en fait il fait des mariages. Et lui, il n'a pas du tout le nombre de couchages nécessaires. Donc en fait, nous aujourd'hui on est 35 couchages max, mais dans notre projet au final ce sera 100 EH équivalent habitants, et alors il y aura cette synergie. Et on va proposer les séminaires, et c'était lui le demandeur en disant. Mais complètement, mais nous on était dans le cas avec projet locatif, on cherchait des lieux adaptés comme ça qu'on a du mal à trouver pour accueillir toutes nos équipes à l'année, faire un séminaire, chacun avoir des lieux un peu différents dans la nature. Faire des synergies après avoir une salle pour pouvoir faire nos réunions. Et là, ça s'y prête vraiment complètement à des prix plutôt raisonnables, parce qu'en général, nous, on a réservé justement ce type de lieu. Mais c'était horriblement cher. De mémoire, on était à 15 000 euros pour deux nuits. Enfin, c'était vraiment très, très cher. Bon, c'était au Cap Ferret. Nous, on va vous le faire pour 13. Voilà, on discutera après. Non, mais c'est ça. Donc en fait, il y a une certaine synergie. Et puis, la particularité de cet endroit, c'est qu'on externalise. C'est-à-dire, par exemple, livrer les petits déjeuners, c'est une contrainte. Quand vous avez des salariés, la rentabilité n'est pas toujours là. Ouais. Mais avec Guillaume, on externalise. C'est-à-dire que c'est à la carte. Vous voulez être en toute autonomie. À l'intérieur de votre hébergement insolite, il y a un frigo, il y a des vrais WC, ce n'est pas des WC à la sèche. J'aime bien le dire parce que des fois, on voit tout. Oui, c'est vrai, oui.
Donc le confort, la première question des clients, c'est y a-t-il de la Wi-Fi ? Le mot de passe, c'est au boulot. A-U-B-O-U-N-O-T, les gens retiennent. Hein. Ils me redemandent jamais deux fois. Hein. Et du coup, en fait, on a tout le confort d'aujourd'hui. On est bien sûr dans la nature, mais on est connecté. On a la 4G, ça je sais pas si j'ai déjà dit. On a la 4G. J'ai même la 5G, moi. La 5G. Ça capte non, très bien. Vous pouvez pas passer à côté d'une telle opportunité, je voudrais pas être insistant. Bon, on va visiter, hein, parce que c'est vrai qu'on aime bien voir, voilà, concrètement les... Alors là, il y a plusieurs chalets, il y en a des plus ou moins grands, c'est ça ? Il y a plusieurs tailles. Donc les cabanes, ça va de 23 mètres carrés à 28 mètres carrés. D'accord. Donc les existants. Plus petites cabanes existantes, voilà exactement. Ouais. Donc qui sont pour 2 à 3 personnes. Et d'accord. Ensuite, on a 4 lodges, donc de 50 mètres carrés. Donc là, qui vont de 4 à 5 personnes. D'accord, bon, ça montre un petit peu ben, finalement ce qui peut être fait par la suite, construit selon l'envie ben, des futurs clients. Exactement, exactement. Sachant que les nouveaux chalets proposés donc, par Tendance Mobilhome, ils sont bien plus optimisés. On a maintenant, ça n'a rien à voir. Un lodge de 35 mètres carrés, quand vous voyez ce que Tendance Mobilhome propose, c'est bien plus optimisé et on a l'impression que c'est notre lodge de 50 mètres carrés. D'accord. Voilà. Oui, parce que l'optimisation a été étudiée maintenant. C'est pensé complètement différemment. Le moindre recoin est optimisé, ça n'a rien à voir. D'accord. La Genévrière, c'est la cabane qui a le plus de vues, c'est la plus avancée. Hein. La vue est splendide, là. C'est magnifique. Sûr. Pas une seule cheminée, pas une seule ligne électrique incroyable. Aérienne, que du bleu et du vert. C'est magnifique. Bon, donc, l'île de Chambaud. C'est en plein cœur de la vallée de l'Ain, là. Exactement. L'île de Chambaud, ils ont installé un barrage en 1968, le barrage de l'Allemand, qui est à côté. Hein. Et donc, c'est une île artificielle. Mais c'est vraiment la nature. Alors, si on regarde côté droit, tout en haut, on voit une corniche, on peut se balader. On part depuis nos hébergements. La boucle, elle fait 28 km. On appelle ça Corniche du Paradis. Et de l'autre côté de cette montagne, il y a les vignes du Cerdon. Hein, parce que, bien entendu, l'apéro, c'est au Cerdon. Hein. Faut qu'on soit d'accord. On a découvert hier soir, justement, le Cerdon. Excellent. C'est très bon. Excellent. Ah, c'est très bon. Voilà. Et alors, je ne voudrais pas en faire des tannes, bon. Mais par exemple, vous voyez là-bas où il n'y a pas de verdure, on a l'impression qu'il y a des sentiers faits par l'homme. Pas du tout. C'est les chamois qui ont fait ces sentiers. D'accord. Voilà. Et Vincent les a vus. Je les ai vus tout à fait, Thierry m'a... Crash, croix de fer, croix de... Si je mange, je vais en enfer. Exactement. Bon. Il m'a invité, donc il a passé une nuit en famille, et en effet, on a vu les chamois. Vu les chamois au petit matin se balader, donc c'est quand je vous disais qu'on les avait comme voisins, c'est pas faux. Très agréable. Très agréable. Voilà. Donc, on a passé la nuit aussi donc avec Guillaume, mon associé. On a très très bien dormi. Les matelas sont très bien, très confortables. Voilà, on a changé c'est tout calme, ça. C'est pour avoir agréable. Deux étoiles, il y avait un cahier des charges et Guillaume s'est appliqué. C'était quoi un gîte de France. Non, c'était qui d'accord. C'est à tout France. Ouais. À tout France. En fait, c'est que donc deux étoiles, ça peut vous paraître pas énorme pour du logement, mais en hébergement insolite, il y a très peu d'offres en deux étoiles. D'accord. Voilà, d'accord. Parce que du coup, on a des vraies toilettes, des vraies salles de bain. Exactement. On a vraiment mis l'accent sur le confort, donc on a des canapés, des fauteuils, enfin voilà, on a vraiment tout fait pour que... C'est ça, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Et pensez aussi pour des séjours longs. Ok. C'est ça. Voilà. Donc, ça s'appelle la synchronicité, il y a une question de temporalité. Les clients qui, de projet locatif, qui vont bien signer sûr. Maintenant, ils arrivent au bon moment, parce qu'on a fait toutes ces améliorations. Parce qu'après, on n'est pas sûr de garantir des prix aussi attractifs. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai qu'on veut vivre des aventures dans la nature, mais on a envie de garder un certain confort quand même. Et c'est ce qui est attendu. Donc là, les premiers chalets que vous avez faits ont été construits en quelle année et quel recul vous avez par rapport à cette expérience de location de 2012, les premiers. Et puis, en fait, on les a toujours entretenus. Hein. Ouais, ok. Donc, on voit que ça a bien vieilli quand même. Ils sont là depuis plus de 12 ans. Dans le cahier des charges, c'était vieillissement naturel. Donc, le bardage, bois. Parce que c'est une question qu'on peut se poser. On se dit, mais au bout de 10 ans, 15 ans, c'est foutu. Voilà, non, là, on a l'exemple. De tous les chalets qui ont été construits il y a plus de 12 ans. Vous voyez les plages, de temps en temps il y a de la neige, on les refait. Alors il y a des arbitrages, on peut très bien faire une plage en résine imitation bois, pourquoi pas. Hein. Nous on a fait le choix de faire bois, bon c'est des choix, voilà. Oui. Et puis justement Guillaume il va servir à ça, c'est-à-dire que la conciergerie c'est vos yeux et vos oreilles, c'est-à-dire que on peut se faire un programme de travaux en disant tiens cette année je change ça ou j'améliore ça etc. Et nous alors si on est capable de faire nous-mêmes avec nos équipes, on fait les travaux et autrement, on trouve le plombier du coin, l'électricien du coin, etc. Ouais. Donc voilà. D'accord. Vous avez tous les contacts sur place, c'est ça l'avantage aussi de se décharger, de se reposer sur
important. La conciergerie donc, va être là pour la partie vraiment gestion locative, mais elle va être aussi présente pour toute la partie entretien, donc que ce soit aussi entretien des espaces verts ou entretien du chalet en lui-même. Privé, c'est okay. ça. Voilà, donc, okay. donc vous aurez peu de fois okay. la chance de trouver ce qu'on appelle un PRL, parc résidentiel de loisirs, où vous avez la possibilité d'acheter le foncier en pleine oui, propriété. Tout à fait. Ça, déjà, c'est rare. Hein. C'est très rare. Je crois qu'il y a 300 transactions de camping par an, 150 passes par camping, ça s'appelle crédit camp. Hein, j'avais approché ces gens-là, etc. D'accord. Leur proposition ne me convenait pas, enfin peu importe. Oui, oui. Mais alors, ça, c'est le point 1, pleine propriété de votre foncier. Et bien point 2, donc le gestionnaire, hein, c'est-à-dire la conciergerie, lui-même, il est partie prenante puisqu'il il a cet hébergement à lui. Oui, donc il a tout intérêt. Et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure ce matin au café, c'est que les gens pourraient dire, mais alors il va tout le temps louer d'abord les siens et pas les autres. Pas du tout possible, puisque dans notre plan de mutualisation, on passe par une plateforme Eloa, qu'on pourra vous commenter un peu plus avant, ouais. où en fait, n'importe quel client commence par poser des dates et il dit, voilà, on est 4 personnes, on vient du 1er octobre au 5 octobre, quels sont les hébergements disponibles ? D'accord. Et ensuite, tout est décliné de façon du moins cher au plus cher. Plus il y a de prestations, ben, plus vous payez cher. Si un jacuzzi, oui, si vous voulez l'option vélo électrique, si vous voulez l'option bateau ouais. électrique, si vous voulez... Exactement. On a un système d'options. Exactement. Super sympa, parce que là, alors, pour faire une petite fourchette au niveau des prix, alors c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on a les assainissements, ben, tout est individuel. L'électricité va être gérée aussi par l'ASL. Alors, on pourra en reparler un petit peu, justement, une sorte de copropriété facilitée. Compris avec les terrains, la construction d'un chalet, mais suivant les options et la surface, quels sont les budgets à prévoir à peu près, parce qu'on aime bien les chiffres hein, quand on est investisseur. On a parlé de 14% de taux de rentabilité, mais concrètement, est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Avec les terrains et puis voilà, frais de notaire, tout compris, on va tourner entre 175 pour le chalet classique avec deux chambres, d'accord, à éventuellement 190, 195 avec le duplex. Voilà. Donc après, il y a et puis d'accord. Toute option 200 pour retenir. Voilà. Okay. Toute option 200. Okay. Voilà, comme dit Thierry, si on vient rajouter voilà le jacuzzi sur la terrasse et diverses prestations voilà qu'on pourra avoir avec le constructeur. D'accord. En effet, on va tendre vers le haut. Mais entre guillemets, on sera sur du 200 000. Entre 180 et 200 000 euros, selon les souhaits des clients, les envies, parce que s'ils veulent en profiter eux-mêmes aussi, c'est bien de mettre des options où on a envie de venir, de se sentir bien pour profiter. Bien. Et en termes d'estimation donc, de location, on était sur 2200 euros par mois, à peu près. On a pris 2000. On a pris la base. On a vraiment été pessimiste. On va essayer de garantir ça. Voilà. Sur donc, un taux d'occupation à 50%, cette base-là. Non, aujourd'hui 50%, notre objectif c'est 70%, sachant que Gîtes de France a annoncé à un tourisme pour certains hébergements 95% de remplissage. Oui, donc oui. Sur cette zone. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas progresser, ben on serait au taquet. Oui, mais oui. Là, on peut vraiment progresser. J'en profite pour dire que nous faisons du qualitatif puisque l'arrivée de Guillaume au mois d'avril dans l'entreprise, ça a été également de passer 2 étoiles avant oui, nous étions qu'une étoile. Oui, super. Donc c'est ça ce qui justifie le prix. Et puis nos clients aiment revenir. Donc c'est ça qui est bien. Mm-hmm. Et ce qu'on peut dire peut-être à ce moment-là, on aurait pu le dire un peu plus tard, mais on va développer un autre concept qu'on appelle la route des cabanes. C'est-à-dire que la cible, c'est les motards. Okay. Ils n'aiment pas dormir deux nuits au même endroit. Donc, on a un site d'hébergement à Dole. Dole, dans le Jura, le centre du monde. J'habite Dole, je vous en parlerai plus tard. Et puis, un autre site dans les montagnes du Jura. Okay. Côté nord, près de Siam. Donc, en fait, l'idée, c'est de packager. La personne d'accord. dépense tant, mais elle peut dormir 3 nuits. Et donc, en fait, cet investissement, ça peut être de façon très égoïste. Le gars qui dit, je viens tous les week-ends là, j'aime la pêche. On est première catégorie pour la pêche ici. Hein. Il y a des concours européens, etc. Et puis, ça peut être également bénéficier justement de la mutualisation. Parce que si vous voulez dire, tiens, pendant 2 ans, je pars vivre au Canada et je vais louer, eh bien, Guillaume s'occupe de tout. Ouais, hein. Tout à fait. Donc, le slogan, ce sera, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Pas mal. Tu vois, très bien. Peut-être je te laisse nous faire la visite d'un hébergement. Venez. Donc, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Celui-là, on va peut-être partir sur la fustière. Celui-là, il est occupé. Ah oui, c'est vrai. Oui, la terrasse. Mais, la terrasse. Voilà. Malheureusement, c'est occupé. Tout est occupé. On va essayer d'en trouver un. C'est ça. Allez. Allons-y. Follow me. Donc là, il y a des bornes un peu partout, et donc ça, c'est la délimitation des terrains. Des parcelles. Des parcelles. C'est déjà fait. Voilà, déjà chacun fait. Est propriétaire, en pleine propriété, de sa parcelle exactement, de terrain. Comme exactement, comme dans un vrai lotissement. Parfait. C'est ça. Très bien. La différence.
Et pour moi, c'est juste mon 24e lotissement, hein, au cas où. Non, non, mais mes cheveux blancs, faut justifier. Ma poule, les cheveux blancs, faut justifier. Voilà. Donc, les erreurs que j'ai fait avant, je ne les ai pas fait là. Hein. Non, mais c'est vrai que votre expérience, et pour le coup, c'est rassurant aussi pour les acheteurs. Bien sûr. Vous montrez que vous avez essuyé des plâtres avant pour arriver à ce projet parfait. Ouais, c'est ça. Avec les autres. Merci. Mais oui, oui, c'est tout un tas de problématiques, on ne s'imagine pas. Mais avant, tout ce qu'on a dit pour obtenir ben, la possibilité de créer ce complexe, ça a été énormément de difficultés. C'est clair. On aura l'occasion d'y revenir sur toutes les autorisations. Ouais, en fait, un promoteur, qu'est-ce qu'il faut qu'il trouve ? Un bel endroit, un endroit magique. Ouais. Puis après, un paquet d'autorisations. C'est ça un promoteur. Hein. Ouais, c'est entre énorme. Les bons et les pas bons, c'est ça la différence. Combien de durée de temps entre le début de l'idée et les autorisations ? Alors, on a démarré en avril 2021 pour ce projet de l'autre bout du monde. Oui. Et on a eu définitivement les autorisations le 25 juillet 2024. Plus de trois ans. Voilà. Plus de 3 ans de bataille. Pour avoir le droit d'en faire 13 de plus. Hein. Alors que le reste, projet est magnifique, hein, mais on est en France. Et là, je profite derrière vous, il y a des places de parking. Puisque, en fait, souvent les gens disent, ouais, mais si on vient à deux voitures, ça ne posera pas de problème. On aura même un parking en bas avec des bornes électriques. Puisque, bon, moi je serai le dernier à avoir une voiture électrique, le dernier, j'y crois pas du tout. Mais, enfin, sans parler de moi, il y aura de quoi charger les bornes électriques. Hein. Très bien, ouais. Parfait. Il y aura aussi l'aire de jeu. Pour les enfants. Exactement, voilà, avec boulodrome. Et alors les Italiens, ils appellent ça guarabocce. Donc moi, c'est des boules plus grosses que la pétanque. J'ai 2-3 médailles en pétanque, mais aussi en guarabocce. Ah et bon. Puis on les met dans du sable fin. Et en fait, là où tu mets la boule, va enlever la boule. Hein. Donc l'idée, c'est de faire des duels franco-italiens. Hein. Alors notre idée, c'est de faire un boulodrome. On verra. Excellent, hein. Ouais, très bonne idée. Donc là, on est dans le lodge La Fustière. Donc d'accord. Ça, c'est nos lodges de 50 mètres carrés. Voilà. D'accord, donc plutôt le grand modèle. C'est ça. C'est ça, exactement. 50 mètres carrés, oui, avec tout le confort. Super. Voilà. Donc ici, donc, deux chambres. D'accord. Une chambre parentale et une chambre avec trois lits simples. D'accord. Et donc avec salle de bain, toilette. Tout voilà. Le confort. Exactement. C'est ça. Donc pour l'instant, c'était utilisé surtout l'été, hein, mais on imagine utiliser toute saison. Et dans les prochaines constructions, on va proposer aux clients des clims réversibles. Hein, d'accord. C'est-à-dire que. Une option. Voilà. En fait, quand on vend un HLL, habitation légère de loisir, enfin chez le notaire, on n'a pas besoin des diagnostics. Hein, contrairement. La seule chose dont on a besoin, c'est l'assainissement. Et d'accord. Nous avions un avis défavorable, et c'est pourquoi on a engagé un programme de travaux de 84 000 euros. Le promoteur a dépensé sans compter. Et donc, pour avoir un assainissement qui tienne la route. D'accord. Et puis, chez nous, dans notre région de l'Ain, c'est vérifié par la SPANC. Donc, c'est un oui. Organisme extérieur. Vous n'avez pas le droit à l'écart d'une oreille. Il vérifie toute la conformité. Voilà, hein. Et c'est vous qui viendrez goûter l'eau à la fin. Oui, normalement, elle est potable. Elle est bien, normalement. Pour rebondir sur ce que tu disais, Thierry, une aussi des plus-values du site, c'est que là, vous êtes juste au-dessus de la rivière. Et oui. Donc, on a la chance en été, même en période de canicule, d'avoir les logements qui restent frais. Ah ça, oui, voilà, très bien. Vraiment, ouais, on a de l'air, on voit bien qu'on ouais. Est quand même ouais, ouais. Une certaine tête hauteur. Pour les grands. Et puis là, c'est vrai que c'est exceptionnel parce que pour avoir l'autorisation de construire dans ce lieu en pleine nature, ça a été tellement de batailles, tellement de connaissances pour arriver finalement à obtenir ce résultat que on ne va pas être en concurrence avec d'autres constructions. Ça, c'est y a une partie quasi de chance, impossible. Bien sûr, il y a une partie de chance puisque les services de l'État, ben, il y a de moins en moins de monde et il faut faire de plus en plus de taf. Hein, ouais. Et c'est vrai également pour l'équipement, hein, la DDT. Donc je ne leur jette pas la pierre, mais ils ont tardé à répondre, ils ont fait des erreurs dans la rédaction des documents. On a demandé donc un recours gracieux, ils n'ont pas jugé utile de se déplacer. Évidemment, je me suis glissé dans la faille comme un vieux renard. Hein. Et du coup, eh bien, on a obtenu ce projet. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre d'argent. Hein. D'ailleurs, sur certaines personnes, puisque beaucoup de gens nous en réservent deux, hein, je leur dis, voilà, je m'engage. Dès qu'ils sont construits, les hébergements, ils vaudront 10 à 15% de plus que ce que vous avez dépensé. Donc, si vous changez d'avis dans les 6 mois ou un an, Thierry vous rachète le truc. Mais
prix coûtant. Et moi, je ferai la marge de 10-15%, n'est-ce pas? Et à la fin, le gars, il dit non, non, je signe pas ce papier. J'ai dit bah, moi non plus. Très bien. Le délai entre le début de l'engagement, les travaux. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de conditions suspensives de permis de construire, de démarches administratives, parce que tout a déjà été réglé bien. De ce côté-là. Alors, l'assainissement. Donc, on s'est fait un rétro-planning avec Guillaume. Nous allons terminer les travaux pour le 10 novembre. Donc, d'accord. On peut signer un contrat de réservation, mais on ne pourra passer aucune vente tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la DAT, déclaration d'achèvement des travaux, chez le notaire. C'est clair. Tout à fait. Mais ensuite, c'est des temps qui se superposent. Quelqu'un réserve un terrain, il commence à consulter les deux projets ou trois projets d'hébergement, et ensuite, il y a 4 à 5 mois de fabrication. Alors, notre idée pour les premiers réservés, là, eh bien, c'est qu'au mois d'avril, on sera opérationnel. D'accord. Alors, il faut 9 mois pour faire un bébé, retenez 9 mois. Oui, voilà, être large et être dans les clous. Donc pour la saison prochaine, se positionnant là en fin d'année, on peut débuter quasiment la saison prochaine. Sachant que beaucoup de banques proposent ce qu'on appelle un différé de remboursement. Alors le Banque Pop, BNP, tout ça, j'ai souvent vu 12 mois, mais le Crédit Agricole propose 24 mois. Hein, je dis ça, je dis rien. Oui. Même Crédit Mutuel peuvent aller jusqu'à 3 ans des fois. Voilà. Alors ils ont des prêts qui sont s'étaler comme ça. Alors après, ça dépend des régions, ça dépend des interlocuteurs, ça dépend de pas mal de facteurs, mais effectivement. Et le fait d'avoir le foncier, le banquier, il kiffe, il adore, parce qu'il peut mettre une vraie garantie. Ouais. Si vous achetez un autre produit plus cheap dans un camping, eh bien, vous aurez un financement que sur 6 ans. Que chez nous, vous obtenez un financement sur 15 ans. C'est plein de petits plus. Vous savez que la vie, c'est plein de détails. Pour faire un projet comme ça, il faut 20 voyants verts. Quand j'ai rencontré Guillaume, j'en avais 16 ou 17. Et on a tous les voyants verts. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Bon, on peut voir peut-être l'intérieur ou la visite les chambres. On va allumer et on va voir les intérieurs. Alors c'est sympa, ça fait vraiment chalet de montagne, tout est en bois, c'est... C'est ça, alors dans les... Alors celui-ci a plus de 12 ans, on voit l'état un peu... Celui-là il date de 2012, regardez. On dirait qu'il est quasi neuf en fait. C'est ça, alors... Il y a l'extérieur effectivement, les rambardes, bon on voit que ça a vieilli un petit peu. Et puis l'intérieur... Là, la plage en tech on l'a pas refaite, mais elle est au programme. Chaque année on refait un peu. Puis là, c'est vrai que le fauteuil club il est un peu désuet, on va peut-être changer, on améliore à chaque fois. Très bien. Voilà. Donc ici, il y a tout comme à la maison, le four très petites ondes là, et puis les plaques domino, le frigo bien sûr. Voilà. Et puis pour un week-end, contrairement à mes deux autres sites touristiques, c'est ici qu'on a le plus long séjour. On a déjà fait des 15 jours. La typologie de notre clientèle cible, c'est donc hors saison, c'est vraiment des couples de retraités. Ah oui, donc on en a beaucoup, énormément, donc en termes géographiques, c'est la Suisse, la Haute-Savoie et la région lyonnaise. D'accord. Voilà, ces trois zones, ça représente plus de 85% de notre clientèle. Ah oui, donc oui c'est vraiment voilà. L'été, c'est un petit peu différent parce qu'on a beaucoup de gens de passage. Donc on a beaucoup d'Allemands, de Hollandais qui descendent dans le sud. D'accord. Et donc ils font une halte, donc là, sur 3 jours. Okay. Et là, c'est des familles. Donc d'accord. Des familles avec des jeunes enfants. Okay. Et on a aussi des personnes du sud qui remontent, qui vont par exemple visiter l'Alsace ou un peu plus dans le nord et qui font une halte. Donc on est l'été vraiment une zone de halte. Voilà. Très bien. Non mais alors, et au niveau des locations, ce qui se loue le mieux, c'est les une chambre, les deux chambres. Pour le coup, on a vu que le taux de remplissage était assez élevé. Tout est demandé en termes d'équivalence. Il y a des personnes qui souhaitent investir. Ils disent, il vaut mieux que je fasse une chambre, une deux chambres. Quelle est, selon toi, la meilleure combinaison par rapport à la demande? Là, actuellement, vu l'offre qui est proposée, on a beaucoup de chalets et de lodges pour de 2 à 4 personnes. Je pense que ce qui serait intéressant, et c'est ce que propose le constructeur, c'est d'aller jusqu'à 6 personnes. D'accord. Pour compléter un petit peu vraiment que le parc soit avec des offres vraiment complètes. Bien sûr, et variées. Voilà, bien sûr. Quand il y a des enfants, les gones, il faut bien loger les gones. Et les occuper aussi. Exactement. Voilà, et ce que tu as oublié de dire peut-être, Guillaume, c'est que sur nos 27 hébergements, in fine, on en aura un ou deux qui seront complètement PMR. Tout à fait. Beaucoup de personnes disent on va le faire, mais ils ne le font pas. Oui. Dans le camping, c'est l'hébergement qui est près des sanitaires. Enfin, bon, je caricature, vous avez compris. On ne sait pas qui sera le premier dans un fauteuil, alors on y pense. Très bien. Et il y a une réelle offre.
Je pense. Énormément de clients qui viennent actuellement nous demandent des chalets PMR. Ok, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, j'aurais pas imaginé qu'il y ait une telle demande, mais en fait, c'est qu'il manque d'offres, ouais, c'est ça. En hébergement insolite, il n'y en a pas. Bien sûr. D'accord. Et sur Dole, le cabane du domaine des fées, que je vous montrerai, on en a déjà fait une, PMR. D'accord. Donc, qui... c'est notre modèle, et puis on. Et on qui va... est loué, et qui est demandé, et qui cartonne. Qui fonctionne bien. Bien sûr. Okay. Ouais. Alors, on va voir les chambres, il y a deux chambres. Attention, juste à la tête. Attention, ouais, à la tête. Je suis pas gêné, mais. Alors voilà, avec la tête à oui-oui, de la bonne literie, n'est-ce pas? Et dans notre modèle, alors là, ben, il se trouve que le lit n'est pas encore fait, mais quand les clients arrivent, on propose des draps et bien sûr, il oui, y a ça. Tout le service. Au niveau des services, justement, donc bon, mais bien sûr, il y a tout le service de literie, ménage qui est compris, un service de petit déjeuner. Jusqu'où ça va et finalement, quel est le tarif pour faire les prestations? Alors là, actuellement, on a un partenariat avec un traiteur à côté, donc qui peut nous proposer des petits déjeuners, des brunchs, des plateaux apéritifs et des plateaux desserts. Ah ouais, sympa. Voilà, donc ça le client réserve à l'avance, on demande 48 heures pour que, en termes de logistique, que ce soit réalisable par le traiteur. Ah, bien sûr. Et on vous les pose dans votre frigo et tout est prêt dès que vous, pour votre arrivée. D'accord. Voilà. Donc... Et on est au tarif, donc pour des petits déjeuners, on est entre 8 et 10 euros par personne. D'accord. Et tout ce qui est plateau, apéritif et dessert, on est à 12,50 € par personne. Oui, c'est tout à fait raisonnable. Et puis, il y a une autre tendance qu'on voit arriver, c'est les verrines. Et là, Maud, sur notre site d'Endura, réfléchit à ça, où en fait, le gars, on lui dit « prépare tes biscottes, tes baguettes de pain, là, et puis il y a les verrines. Mm-hmm. Alors, terroir, le truc d'ici, tu vois, bien sûr, il n'y a pas proposé du saucisson corse. Enfin. Exactement. En parallèle de ces offres-là, il y a aussi, on a un partenariat donc avec un producteur de Cerdon qui est juste à côté. Ah oui, très bien. Et visite donc, d'une cave. Voilà, il nous fait ses visites. Lui, il est en méthode ancestrale de production de Cerdon. Et donc, il fait des combinés, visite de ses vignes en vélo électrique et dégustation du Cerdon. Excellent, voilà. Sympa, oui, de proposer des excursions, tout le suivi finalement. C'est à la carte. On a des contacts privilégiés justement avec les prestataires. Ouais. Et puis, si vous réservez tardivement, on va peut-être vous dégoter un bateau électrique. Mmh. Alors que excellent. Si vous, des choses c'est comme génial. Ça. C'est génial. Ouais, super. Qui se conduisent sans permis. Mmh. D'accord. La vue est encore plus sympa de l'autre fenêtre. De l'autre côté, c'est ça. Alors là, dans ce modèle-là, il y a deux couchages ici et trois de ce côté-là. D'accord. Et quand je viens tout seul en hiver me ressourcer, j'aime bien dormir là. Waouh. Oui, j'avoue que là, la vue... Un truc de ouf. Couper le souffle. Wafada, regarde. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Bon, il y a un côté cynique là-dedans. Hein. Et donc, ce que vous voyez juste en face, donc c'est à 1 km du site. Oui. Donc c'est notre autre partenaire qui propose donc tout ce qui est activité nautique. Donc location de bateaux, les paddles, donc tout ce qui est aussi ski nautique. Ah, super. Et également des excursions. Donc randonnée VTT, randonnée pédestre et randonnée raquette parce qu'on est aussi pas loin des stations de Hauteville. Oui. Et donc il va y avoir aussi toute la partie hivernale. Donc, activités hiver, été, c'est pour ça que pour le coup, ça, les locations fonctionnent bien en toute saison. Exactement. D'accord. Très bien. Non, mais le coin est magnifique. Très, très bien. Et les chambres sont de bonne taille. C'est bien. C'est pas rikiki, c'est pas. On se sent bien, ça va. C'est ça. Même moi qui fais 2 mètres, ça va, ça passe. Bon, ouais. Très bien, on peut redescendre peut-être. Allez. Alors, dans ce qui est les contraintes techniques, on a un terrain avec de la pente. Oui. Vous remarquez là le réseau. Donc, pour l'instant, il existe pour ce qu'on appelle le premier permis d'aménager, la tranche 1, eh bien, on a donc un réseau côté est. Et on va dupliquer, on va faire un autre réseau côté ouest. C'est d'accord, ça l'idée. Hein. D'accord, très bien. Et on va faire le tour justement du terrain. La parcelle complète là du parc représente combien de surface? En gros 2,5 hectares.
2,5 hectares, donc c'est quand, voilà. même, c'est quand même bien espacé. Bien. Et sachant qu'on n'a pas clôturé le domaine, puisqu'on laisse venir les chamois. Hein. J'ai des photos, quand je dors dans celle-ci, des chamois qui viennent le matin, là. Ah ouais, c'est super. Mm. Et les parcelles par, par chalet, il y a plusieurs tailles de parcelles. Alors oui, donc en fait, on achète un environnement, on achète un tout. On ne peut pas dire j'achète oui. 450 oui, mètres oui, carrés oui, et deux places de parking, ouais. Parce que le terrain fait peut-être que 450 mètres carrés, oui. Mais on est dans un ensemble. Bien hein. sûr, bien sûr. Voilà. Alors, la réflexion, c'est on reste à 36 mètres carrés au sol de manière à ne pas avoir à demander ce qu'on appelle une DP, déclaration préalable. D'accord. On peut immédiatement, on peut même l'implanter de façon orientée comme ci ou comme ça. Sur nous, on va faire des propositions. On est force de propositions. Bien sûr. Mais c'est le client final qui, quand le chalet arrive, dit je le veux orienté comme ça, hein. Voilà. Donc, et on n'est pas tenu à un emplacement rigide. Hein. Sur la parcelle, on peut mettre le chalet où on veut. D'accord. Voilà. Ça, c'est très la première bien. Chose. On est libre. Bien. Et puis, on est limité donc à 36 mètres carrés. Hein. D'accord. Parfait. Voilà. Au sol. Et puis, les parcelles, en moyenne, voilà, elles font 450 mètres carrés. Hein. Oui, d'abord, oui, au oui. départ, j'en avais dessiné des très grandes. Et notre partenaire, qui est Tendance Mobilhome, m'a dit, Thierry, les parcelles de 2000 mètres, personne n'en voudra. Ils n'ont pas envie de passer la tondeuse de week-end. Mais oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Du coup, on a rajouté des espaces verts. Alors là, par exemple, sur les lots 13 et 14, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a déboisé pour que le géomètre puisse faire ce qu'on appelle un plan topographique. Ensuite, on va construire le chalet lui-même. Et le client décidera. C'est-à-dire qu'on va enlever là, tous les végétaux qui ont zéro valeur. Et puis par exemple, là, on voit trois pins à l'arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever des couronnes de manière à avoir une vue. Oui. Donc d'accord. en fait, chaque parcelle a des points forts et des points faibles. Celui qui veut être plus donc intime va garder beaucoup de végétaux. D'autres oui, vont on préférer plutôt... la vue et exactement. Dégager. Voilà. Exactement. C'est au choix. Hein. Au bien choix sûr. De chacun, mais au niveau des terrains disponibles, c'est ça, on a la vue, on peut être dans le soit avec une vue totalement dégagée, soit être au milieu des bois, la voilà, nature, il y a plusieurs nature. Possibilités. Voilà, exactement. Voilà, le premier point, c'est quand même la nature. Alors là, on est sur le point haut du lotissement, voilà, et nous avons dégagé ici pour avoir ce qu'on appelle notre chalet savoyard, notre deuxième boîte de dérivation. Vous avez vu qu'on en a une en bas, on oui. en aura une là. C'est-à-dire que les 13, pour caricaturer, hein, les 13 compteurs seront ici. Tous les compteurs d'eau seront sous les hébergements. Hein. D'accord. Voilà. Donc, c'est des sous-compteurs, puisqu'on aura un gros compteur. Oui. La SL, eh bien, je vais injecter au départ l'argent nécessaire pour payer les premières factures. Puis après, ben, les remboursements se feront. Hein. D'accord. Voilà. Donc, le on fonctionnement, sera ici. C'est un peu comme une copropriété gérée en ASL. C'est une structure plutôt souple, finalement. Bien sûr. Qui sera gérée. Une fois par an, une réunion, on peut même faire en visio. Hein. Ouais. Alors là, j'en profite okay. pour dire qu'au départ de l'action, parce que j'ai réglé tous les problèmes, j'avais des petites jeunes là, qui venaient avec des quads ou des motos. Alors, je leur expliquais qu'il y avait trois façons de voir les choses, la bonne, la mauvaise, ma façon, et qu'on allait faire à ma façon. Parce que les clients, le dimanche matin, ils n'ont pas envie d'être réveillés avec du quad. Hein. Donc j'ai sorti la gomme à effacer le sourire, la machine à faire des bleus, j'ai parlé à 2 cm du nez, et du coup, ils ne viennent plus. Voilà. Donc, bravo. Bravo. Ouais. Bon, mais enfin, vous voyez bien qu'ils viennent plus. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, là. Ouais, comme quoi, des fois, il faut montrer les dents. Et oui. Ici, ça sera l'accès voiture. Voilà. Pour les chalets de l'autre partie de la parcelle. Ah, ouais, d'accord. Voilà, donc, on ici, va à l'autre bout du monde. Il faut on imaginer va. L'accès voiture. C'est pour ça que ça s'appelle d'accord. l'autre bout du monde. L'accès voilà. va être ici. Là, l'accès voiture sera là, voilà. D'accord. Ok. Tout ça donc. Sera bien sûr aménagé. Exactement. Là, donc à gauche, il y avait deux parcelles. Ici, vous en avez deux autres. Donc une qui fait l'angle. D'accord. Donc jusqu'au mur G et une autre qui est juste derrière. D'accord. Oui, là, c'est encore totalement sauvage. Voilà. Voilà. Marc Charpin. D'accord. Donc ben je te ferai le débrief, mais il est motivé à fond. Donc il a pris la parcelle 27, c'est qui est tout au bout. Voilà. D'accord. Et là vous partez avec votre sac à dos, donc il y a des sentiers, oui, vous rejoignez Corniche du Paradis. Les 27 km. Et d'ailleurs, tout au début, quand j'avais mis les QR codes là, à l'intérieur des hébergements, il y a une dame qui elle est coach à Lyon
et il voulait absolument cette parcelle. Mais à ce moment-là, je n'étais pas connecté avec Gilles Poré pour le château de l'accueil. Il lui fallait une salle pour réunir tout le monde. Uh-huh. Et elle, son idée, c'est les gens, ils gardent leur bagnole et pendant une semaine, ils ne touchent plus la bagnole. Ouais. Après, ils se lèvent le matin, ils vont embrasser les arbres, enfin, tout des trucs bien, quoi. Bon, j'ai mais pas fait affaire avec elle. Mais... Ici, on est vraiment sur... une autre ambiance, on n'est vraiment pas, oui. Donc on n'a pas une vue sur la vallée, oui. On est vraiment dans une ambiance nature, vraiment, oui. Calme et reposante, vue sur la montagne. Tout à fait. Donc c'est vraiment, on est sur le même parc mais avec une autre ambiance. Voilà, et là nous avons des orchidées sauvages. À cette saison elles sont plus là, hein, mais en fait on a des sangliers, enfin des chamois, c'est vraiment la pleine nature. C'est, ouais, c'est pour ça qu'on, ouais, est en zone montagne, ouais. C'est protégé ici. Ouais. Oui, oui, bien sûr, bien, ouais, sûr, oui, oui, tout à fait. Nous vous remercions énormément de choisir notre projet. Non, je ne l'ai pas dit. Si, je l'ai dit. Bon. Vous l'avez pensé fort. Donc, ici, il y a trois parcelles, ouais, dont une réservée par, oui, par via projet locatif. Normalement, celle-ci, c'est... Ben, il est en train de se décider, ouais. Voilà, donc on peut dire là, sur cette partie-là, il y a déjà des pré-réservations sur plusieurs parcelles, donc par des clients en projet locatif. Donc, il resterait une parcelle de disponible, c'est ça? Voilà, la 15. Sur... Alors, regardez si vous voulez voir un peu mieux. Donc, ce qui est bleu, c'est ce qui est déjà existant. Et le permis d'aménager qu'on a, c'est sur ce qui est orange. Hein. Et là, d'accord, on discute, on est ici. Voilà, d'accord. On discute, on est là. Donc en voirie, les voiries existent. On va rajouter ça, mais ce ne sera pas goudronné. Hein, d'accord. D'accord. Ça n'empêche que dès qu'on dépasse un hectare, on a la loi sur l'eau. Et là, on a reçu les résultats de la loi sur l'eau. Il nous oblige de faire comme des rétentions d'eau pour, enfin, encore des dépenses. Mmh. Mais de toute façon, tout sera dans les clous. Et c'est, mmh, ici le parking où il y aura en fait des bornes de recharge électrique. Très bien. Qui, parfait, seront pas pris sur l'électricité des communs, c'est-à-dire que les gens, ben, il y aura un système de carte bleue, quoi. Hein, oui, oui, voilà, oui, oui, indépendant. C'était une question, ça, de Monsieur Bourdin. Mmh, mmh. Mais alors, si tout le monde vient, ben oui. Bien sûr. Oui, voilà. C'est important. Ferme-la. Enfin, je veux dire, j'ai réfléchi à ça. Très bien. Voilà. Et j'aimerais bien quand même parler des frais qui vont être provisionnés et le fonctionnement un peu pour essayer d'éclaircir un peu cette zone d'ombre. Ah, alors, la première question des acquéreurs, je vous coupe, oui, c'est la taxe foncière, 248 euros. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Donc, taxe foncière, pipeau. Enfin, 248 euros. D'accord. Ensuite, les coûts de fonctionnement, l'ASL. Ici, on n'a pas de déneigement. Donc, en gros, ce qu'on va avoir, c'est le portail. Là, de quoi parlons-nous, oui, hein, de 20 balles par an, par hébergement, max pour, l'électricité, pour du portail. L'électricité du portail, d'accord. L'éclairage extérieur, ce sera fait avec des bornes solaires. Mmh, le promoteur, d'accord, a dépensé sans compter. Et donc, ensuite, on aura la tonte. Donc, en fait, au mois de mai, au mois de juin, oui, donc on externalise la tonte. Mais sachant qu'à l'intérieur de l'ASL, puisque Guillaume, parmi toutes ses qualités, il a également une pépinière. Donc, il a plutôt la main verte, on va dire. Hein. Okay. Donc, il va gérer tout ça. Et ensuite, à la carte, donc, si quelqu'un veut qu'on plante des trucs, des jonquilles, enfin, ce qu'il veut quand, oui, il arrive, on va vraiment pouvoir adapter faire à la carte. Au fur et à mesure. Donc l'ASL, elle va gérer ça. On aura des tableurs Excel au fur et à mesure des ventes. Okay. Eh bien, on divise par le nombre de chalets qui sont terminés. Hein. Oui. C'est-à-dire, in fine, 27, oui, mais peut-être pendant un temps que par 10, que par 15, vous ça avez va compris. Ça s'adapter au fur et à mesure. Voilà, c'est les unités d'habitation qui comptent. D'accord. Voilà. Bon, vous savez que en termes de charges, ça reste des petits montants. Pipo, 30 balles par mois. Et l'ASL, ouais, est gérée par Guillaume. C'est-à-dire on vote une fois, enfin on, okay, est élu comme. Alors j'aime pas le mot copropriété parce que dans la tête des clients, ils n'aiment pas le mot copropriété. Hein. Oui, ils, oui, ont, oui, l'impression. Mais là, c'est lotissement, donc en toute autonomie, d'accord. Oui. Sauf que l'ASL, eh bien, elle ne sera jamais rétrocédée à la mairie. On le sait dès le départ. Mmh. Hein. D'ailleurs, dans les lotissements que j'ai pu faire, c'est la tendance maintenant. Les mairies n'aiment pas récupérer la voirie. Bien parce sûr. Que ça évite des histoires, etc. Mmh. Hein. Mmh. Donc, nous, on, d'accord, aura la gestion de la voirie. Tout sera remis en état, évidemment, à la fin des travaux. Hein. Mmh. Constat d'huissier, tout est nickel. Puis après, à nous d'être voisins vigilants. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Et sachant que la présidence de l'ASL, et sera reconduite tous les chaque ans. Chaque année, voilà. Voilà. Donc, okay, par Assemblée Générale, ce sera reconduit tous bien les sûr, ans. Bien sûr, démocratie, bien sûr. D'accord. Hiérarchie réglementée, tout ça.
D'accord. Ouais, ChatGPT, ASL, vous allez tout trouver. D'accord, bon, un fonctionnement assez simple. Et puis ben, finalement, des consommations qui sont individualisées après pour l'électricité, pour voilà, l'eau. Au réel. Donc au chacun réel. Va payer ce qu'il consomme réellement. C'est ça. Ça, c'est pareil, ça permet d'être assez libre et d'être assez serein. Si on vient moins, ben, on paye bien pas. Bien sûr. Et puis, par exemple, on a la Wi-Fi qui marche très bien. Donc, eh bien, l'abonnement, alors de quoi parlons-nous, hein? Un abonnement pour 27. Hein? Oui. Et oui. Puis l'électricité, oui. Un ampli, mais de quoi parlons-nous? 2 oui. euros, j'en parle même pas. Oui. Donc, partez sur l'idée que ça va vous coûter 30 euros par mois, oui. pour le coût de fonctionnement, et c'est tout. Et oui. après, voilà. Okay. Donc, très bien. C'est tout ce travail qui a été fait pour individualiser tout et réduire les coûts au maximum, qui fait que ce projet prend un sens intéressant pour un investisseur qui a envie d'être finalement libre et avec aussi des services assez haut de gamme qui vont avec. Sachant que si vous choisissiez un projet concurrent, mais on n'en parle pas, un camping, c'est entre 3000 et 4000 euros par an, et la piscine, elle fonctionne 2 mois l'été. Hein. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Oui, oui, tout à fait. C'est les charges qui absorbent finalement tous les bénéfices, toute la rentabilité du projet. Alors que là, les charges sont vraiment réduites pour justement avoir un projet qui soit sain financièrement. Nous, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on s'est déplacé. Hein. On a clairement regardé un peu avant. Et c'est pour ça qu'on en fait la promotion. Et voilà, bon, ben Vincent, on a déjà vendu plusieurs. Pour tous ceux qui veulent le dossier complet, on vous mettra l'adresse mail de Vincent, voilà, qui s'occupe de la mise en relation et de vous accompagner dans tout le processus du projet, parce qu'on a essayé d'être le plus large possible, mais forcément, il va y avoir aussi d'autres questions qui vont arriver, puisque c'est des projets un peu atypiques. Et donc, Vincent a toutes les informations nécessaires pour vous rassurer et vous donner les éléments nécessaires. Voilà, merci beaucoup de nous avoir présenté ce beau projet, de nous accueillir. On s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Et puis on en apprend beaucoup, Thierry, merci beaucoup, parce que vraiment, avec tous les projets que vous avez réalisés, les discussions qu'on a aussi en off, c'est très intéressant, je suis très curieux, on apprend énormément de votre expérience. Alors moi je dis qu'en travaillant avec des gens, on reste gens, mais comme je dis à Guillaume et à Vincent, vous devez me voir comme une montagne d'expérience, avec des bonnes et des moins bonnes. Mais une certaine forme d'intelligence, c'est de ne pas recopier ses erreurs par le passé. Ouais. Vous devez vous douter qu'en 23 lotissements avant celui-là, il n'y a plus beaucoup de problèmes de lotissement que je ne connais pas. Ouais. Hein. Ouais, c'est alors sûr. Après, ben, ma foi, il y a un process, il faut obtenir ses autorisations. On s'est déplacé, j'ai emmené Guillaume avec moi voir la Spank, par exemple. Et puis on a eu le permis d'aménager, donc on l'a déposé le 18 juin et on l'a eu le 25 juillet. C'est pour vous dire. Oui, hein. C'est énorme. Énorme. Toute cette charge mentale qui est enlevée pour les acquéreurs. C'est ça. Et puis, il faut trouver un bel endroit comme ça. C'est de plus en plus dur de trouver 2 hectares à un endroit. Bien sûr. L'eau à montagne. Alors, on se répète, mais c'est ça qui fait la différence. Oui, voilà. Tout à fait. Merci de votre attention. Et puis, merci à tous. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bon investissement à tous. Ciao.